L'absurde, c'est de croire que nous pouvons appréhender la totalité de ce qui nous constitue en ce moment ou en un autre moment et le percevoir comme une chose cohérente et acceptable. Cette phrase me revient alors que je termine le montage de cet épisode du journal filmé. Nous sommes le 15 juillet 2019, alors que j'essaie de rendre cohérent cinématographiquement la succession des images et des sons que j'ai enregistrés du 13 au 19 mars 2018. Le vertige que cela produit. Dit Oliveira à la page 177 de Marelle. Ce jour-là, avec Bérénice, nous commencions une longue série de visites et de concours qui allaient finir par porter leurs fruits, puisqu'elle a pu entrer en première année à l'École des Beaux-Arts de Rennes en septembre 2018. Et je peux déjà dire qu'elle passera en deuxième année, en septembre 2019. C'était sur Raymond Reims et en fait on avait une liste de mots et après on devait à partir de ça créer quelque chose. Donc on a travaillé sur les Macintosh de Raymond Reims, etc. Et après on peut bouger durant l'année si ça nous plaît pas. Donc en général on met la feuille, donc en général on met le cache là. Pour pas que la lumière aille sur le papier, il faut faire toujours attention que les papiers soient bien dans le noir. Ouais, sinon parce que sinon ils sont voilés en fait après. Et après, une fois qu'on a bien réglé le tout, donc on enlève notre cache, on va mettre je sais pas le temps qu'on veut, donc là on choisit. Et ça se joue en 10 secondes quoi. On fait ça et du coup le temps se met. Et le temps qu'en fait la lumière apparaît sur l'image, elle va être plus ou moins foncée. Donc en général, on fait des petits tests juste sur des petits bouts pour voir comment elle réagit. Donc là, ça s'arrête. Ouais. Hop, on prend nos feuilles, on la met direct, on met dans les bacs, on détend, on rince.
votre sécurité lors de votre descente, nous vous demandons de prendre garde à l'espacement entre le marchepied et le quai. Nous vous rappelons également que la descente du train doit impérativement s'effectuer sur un quai et à l'arrêt. Ne tentez en aucun cas de descendre lorsque le train est en mouvement. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et nous sommes ravis que vous ayez choisi Ouigo aujourd'hui. Pendant longtemps, le documentaire n'a pas été perçu comme un lieu possible pour l'autobiographie. Quand bien même un film serait toujours une façon plus ou moins détournée de parler de soi, ces mots prononcés par Jean-Luc Godard résument une idée communément partagée. La fiction, c'est ce qui m'arrive à moi. Le documentaire, c'est ce qui arrive aux autres.